Le programme Jeunes Gérants de Total Energy a vu le jour il y a plus de 60 ans sur le continent africain. Francis, tu as déjà fini avec le client là. Total Energy permet aux candidats de devenir gérants de stations-service en finançant le lancement de leur activité. Plus de 5000 entrepreneurs ont déjà bénéficié de ce programme dans près de 30 pays du continent africain. Je me revois encore à mes débuts, quand j'ai commencé, quand je lavais les vitres, j'étais toujours en contact avec les clients, j'étais toujours en train de faire les services sous capot. Dites pompiers, quand je travaille la nuit, quand je travaille le soir, quand je travaille le jour, quand je tape, quand je fais, quand je fais les pompes. Mais quoi qu'il y ait, for the last 30 years, ni rien, ça comme un tout à chini kabisa, quoi cause, ma foutre quoi petrol station. Programme Jeunes Gérants, c'est une opportunité qui est donnée aux jeunes d'acquérir le métier de la station, de démontrer leur qualité. Le chef de piste était chargé de noter les ventes. Et chaque semaine, première de la semaine, c'est Ganson Brigitte, toujours. Ce sont des gens qui ont échelonné. Ils ont commencé de la fonction pompiste au manager station et après ils ont évolué au gérant de station. Le gérant s'est fini par un peu plus de pompistes, un peu plus de pompistes, un peu plus de pompistes, un peu plus de pompistes. Ni kaendelea hivyo, nikafanywa book supervisor, nikawa na shukrani kubwa sana. Wakanipa hii station ikiwa yangu sasa, nikawa financial dealer. Ils ont été sélectionnés, on leur a donné des stations à gérer, on leur a donné les fonds nécessaires pour démarrer. Bah des gérants, bغيت نشوفها, بغيت نعيش هاد اللحظه هادي. Niliona ni kama imenipa uhai mpya. Total a mis les fonds sur place pour que je puisse gérer et je suis fière de travailler avec eux. On nous forme tout le temps. C'est ça la grande richesse qu'on a chez Total. Même le gérant. Vous voyez, je suis gérant, non? Et je suis en train d'aller au centre de formation. Saïd, il bénéficie d'une formation pour son personnel via la plateforme ou bien via la caravane en présentiel. La première promesse, c'est laquelle? La sécurité. D'accord. Nous allons essayer, Inch'Allah, de garder ces points. Mais il n'y a pas de problème, c'est qu'on vous rappelle. On est tous mobilisés à accompagner, à mieux aider nos jeunes gérants pour réussir leur fonction de gérant station. You've seen a good improvement in the past month. Elle donne lavage 24 000. Extraordinaire. Can say you're doing good. Even in your orders, we have not been having any waivers for you. So at least financially, we know you are healthy. يعني ما يمكنش غادي نخدم أنا بوحدي. يعني مسيدة معاوناني صراحة كتعاوني في أي حاجة. C'est que tu es le meilleur vendeur des cartes, donc tu dois te battre. Brigitte, le premier mot qu'elle leur dit, c'est « J'étais comme vous, mais aujourd'hui, je suis fière d'être là. » Donc aujourd'hui, elle tend le flambeau. Moi, j'aimerais que tous se battent avec cet objectif de réussir. Ukifauru, usifauru peke yako. Hakikisha umefauru wewe na umewabeba wengine. لأن أنا الحلم ديالي هو نأمن مستقبل بناتي بالخصوص. أنا بناتي وهما الهاجس ديالي وهما الحلم ديالي أنهم يكونوا بخير. Grâce à mon boulot, je parviens à soutenir les enfants des autres dans la famille. C'est grâce à elle que la famille au fait entière. Ni kama Mungu naye huwa anaona na kuongezea. Nimesaidia mtu kama ama kama sana sana watoto wako wengi na hawana namna. Dit pompiste, حبيت هاد الخدمة وآمنت بها. دابا الحمد لله انا جون جيرون وباقي الطموح ديالي ما وقفش. بعد ya kumaliza hii project yenye ndio nimekuwa nikifanya the last 3 years sasa nataka kujenga station hii Angrida scheme ni nafasi mzuri sana ya kubadilisha maisha. C'est l'opportunité de participer à une très belle aventure de développement de l'humain. Comme Brigitte, Saïd et Stéphane, plus de 1800 jeunes gérants africains exploitent aujourd'hui une station-service grâce au soutien financier et humain de Total Energy. Des milliers de pompistes et employés de station-service sont formés et accompagnés avec la perspective de devenir un jour chef d'entreprise.